Bonjour, bienvenue sur la deuxième vidéo sur les rudiments. Aujourd'hui, on va parler des roulés. Les roulés, c'est un des doigtés les plus importants et qui est notamment énormément utilisé en batterie. Aujourd'hui, vous allez encore avoir besoin d'une percussion. Si vous avez des baguettes, prenez-les pour ce doigté-là. C'est vraiment intéressant de jouer avec des baguettes. Si vous n'en avez pas faites à la main, ce sera intéressant quand même. L'objectif, ça va être de travailler notre technique baguette, de gagner en dextérité et d'améliorer notre vitesse. Le principe des roulés, c'est qu'on va alterner deux frappes main droite, deux frappes main gauche. Donc droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, etc. L'intérêt des roulés, ça va se trouver dans le fait d'utiliser le rebond du premier coup pour jouer le deuxième coup. Si je décompose le geste, ça va faire notre premier coup, le rebond et le deuxième coup. Donc ma main n'a quasiment pas besoin de bouger pour jouer le deuxième coup. Pour commencer, je vous propose de jouer un coup et de laisser rebondir votre baguette sans essayer de la maîtriser. Ça va donner quelque chose comme ça. Pouvez le faire avec les deux mains. Vous voyez, avec un seul mouvement, j'ai 5, 6, 7 coups qui arrivent derrière. Pour l'instant, je ne les maîtrise pas. La deuxième étape, ça va être de maîtriser ce rebond pour jouer seulement deux coups. Donc le premier coup plus un rebond. Ça va donner quelque chose comme ça. Et ma main ne bouge pas pour jouer le deuxième coup, juste elle retient après le deuxième rebond. Même chose, main gauche. Donc ensuite, il va falloir alterner droite, gauche, droite, gauche, etc. Dans les exemples qui vont suivre, vous allez pouvoir le faire avec moi. D'abord à 50 battements par minute, et ensuite à vous de faire les étapes, 60 battements, 70 battements, et vous pourrez jouer avec moi à 80 battements par minute. Alors c'est parti pour les roulés, on est à 50 battements par minute et on joue en double croche, donc on joue 4 coups par temps. C'est parti! 3, 4. Et maintenant la même chose, mais à 80 battements par minute. C'est parti! Alors la technique des roulés, c'est une technique qui est assez longue à maîtriser et qui demande de pratiquer vraiment régulièrement. Donc essayez d'en faire 5 minutes, 10 minutes tous les jours ou tous les 2 jours, et ça va venir petit à petit. Commencez toujours à un tempo lent, faites bien attention à être bien détendu, des épaules, des bras, les poignets, etc. Faites bien attention à bien jouer avec le rebond et ne pas être crispé. Et quand vous avez atteint une certaine aisance à un palier, n'hésitez pas à aller à des paliers un peu plus élevés. Bon courage!